Bienvenue à Mille et une Culture, votre émission sur la diversité culturelle. Dans cette émission, nous recevons en première partie Cyril Laguin, président du Rotary Club Laval-Rive-Nord. Et en seconde partie, nous allons parler avec Marie-Denise Doyon, une artiste peintre multidisciplinaire qui a mis en ligne une plateforme pour les enfants. Musique Idi. Avec moi, Cyril Laguin. Cyril, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, Cyril, 50 ans, papa de deux enfants, une fille de 17 ans et un garçon de 21 ans. Vous avez près de 20 ans de vie professionnelle en France, comme Key Account Manager de UPS SCS. Tout à fait. Voilà, donc, avant de venir vous installer au Québec, et vous êtes là depuis 2012. Tout à fait, c'est tout à fait. Et ça. Vous travaillez dans les produits financiers. Tout à fait. Voilà. Vous êtes là comme président du Rotary Club Laval-Rive-Nord. Donc, vous êtes rotarien depuis 2012 aussi. Depuis 2012, depuis mon arrivée au Québec, oui, tout à fait. Voilà. C'est quoi le Rotary Club? Alors, le Rotary Club International, c'est une association mondiale qui a été créée par un visionnaire à l'époque en 1905, qui est M. Paul Harris, qui voulait mettre en fin de compte les populations de différents milieux, que ce soit des médecins, des gens qui soient salariés, des directeurs d'entreprise, au sein de la communauté. Donc ça a plus de 110 ans maintenant d'existence. Donc c'est une très très belle aventure et c'est basé sur la camaraderie et l'entraide au niveau international et au niveau local. D'accord. Puis c'est un grand réseau quand même. On parle de combien de membres du Rotary? Au niveau mondial, le réseau est à 1 200 000 membres. D'accord. Qui se composent sur, on va dire, trois niveaux. Donc il y a les clubs Rotary. Pour, on va dire, les plus de 30 ans, ou même, même des moins de 30 ans peuvent y adhérer. D'accord. On a les Rotaracts, en fait, c'est-tu ça? Alors, le Rotaract, c'est pour des 18-30 ans. D'accord. Qui peuvent œuvrer, en fait, dans leur tranche d'âge, et après rejoindre un club Rotary par la suite. D'accord. Voilà. Donc, le Rotaract, veut pas, c'est notre relève au niveau local. On compte sur cette relève-là pour effectivement poursuivre le travail qu'on a effectué, que ça a été effectué par le réseau Rotary depuis, on va dire, plus de 110 ans. Et les valeurs du... En fait, la devise du Rotary, c'est servir d'abord. Donc, ce qui veut dire, c'est que depuis plus d'un siècle, tous les directeurs ont façonné, en fait, contre notre monde. Et le Rotary a eu un très, très grand impact sur l'éradication de la polio, en l'occurrence, où ils ont distribué des millions de doses à travers le monde. Et c'est quasiment réussi. Et il y a un seul bastion à date, qui est l'Irak, où on peut, en fin de compte, les associations comme nous autres, on ne peut pas se déplacer. D'accord. Et il reste ce foyer-là. Mais il y a eu un travail qui est phénoménal, très implanté pour tout ce qui est famille. Aider en fait contre les gens de, comment je pourrais dire, isolés, mère et enfants, famille dans le besoin, nouveaux arrivants. D'accord. Parce que veut pas, on a cette vocation aussi. Donc là un petit peu cette base du Rotary. D'accord. Donc beaucoup d'humanitaire, beaucoup de solidarité. C'est quelque chose qui vous rejoint et qui nous rejoint aussi cette année avec la COVID-19. Donc c'est une année où, au niveau de la solidarité nationale comme internationale, c'est très très demandant. Donc quel a été l'apport du Rotary? Qu'est-ce que vous avez fait sur le plan national? Alors l'apport du Rotary a été à plusieurs impacts. Déjà il y a un impact international parce que bon, on veut pas, moi je suis personnellement en relation avec des membres rotariens d'Europe, en l'occurrence, de d'autres pays, ce qui permet effectivement d'échanger, de garder des liens. Un impact local entre nos membres. Parce que bon, le confinement n'était pas facile à gérer. Oui, il y a eu des défis, il y a eu des défis à gérer pendant le confinement, je pense. Beaucoup, beaucoup de défis. Oui. Ça permet de garder les liens entre les membres, d'être l'un pour les uns les autres. Et puis, en fait, pendant la pandémie, on se réunissait au niveau virtuel une fois par semaine.
comme ça, c'est important pour le groupe. Le défi de la pandémie, parce qu'on avait beaucoup on avait des choses qui étaient déjà schedulées, qui étaient en préparation pour cette année, qu'on n'a pas pu réaliser. Donc, on a réfléchi différemment. Et Laval-Rive-Nord, le club de Laval-Rive-Nord, a pris la décision de fédérer un certain nombre de clubs Rotary autour de Montréal pour essayer d'apporter en fait leur contribution pour aider un certain nombre de banques alimentaires. Une belle façon de montrer une solidarité aux gens, parce que s'il y avait un besoin, en fait, on a vu que les banques alimentaires manquaient de beaucoup de choses. Et puis une augmentation croissante de demandeurs qui n'avaient jamais vécu ça. Une diminution drastique des bénévoles aussi, qu'il a fallu remplacer. Et lorsqu'on a lancé le projet, donc 7 clubs Rotary autour de Montréal se sont associés, donc avec des défis d'organisation. Et ça a eu du mal, parce que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de levées de fonds diverses et variées pour plein de choses. Et les gens arrivaient du mal à se positionner. Donc nous, on voulait faire de la rapidité, apporter une aide ponctuelle, rapide. Le décollage a été difficile, mais au final, on a quand même récolté aux alentours de 10 000 $. D'accord. Ensemble, 10 000 $ pour plusieurs banques alimentaires. Puis plusieurs. À Laval, quelle a été votre cible, vous, à Laval? Nous, à Laval, ça fait plusieurs années qu'on supporte les popotes roulantes. Pourquoi? Parce qu'ils ont, à côté des popotes roulantes, il y a une association. D'accord. Donc, tout l'argent qui est amassé par cette association est en fin de compte sert à donner des repas à des gens qui ne peuvent pas se le permettre. Je prends un exemple que les popotes roulantes m'ont cité. Une mère monoparentale, 3 enfants, elle était sur effectivement la PSU, elle a perdu son emploi, était sur la PSU, ils avaient décidé de l'aider, mais elle n'est pas reprise dans son travail. Donc l'aide va se poursuivre. D'accord. Sans cette aide des popotes roulantes, cette famille-là aurait du mal à manger. À s'en sortir. Voilà. C'est vraiment l'alimentaire qui était le plus important. Donc effectivement, nous, Laval, on avait décidé de supporter les popotes roulantes qui étaient très actifs autour de Laval. D'autres clubs, c'était le dépôt centre communautaire d'alimentation. Il y a eu la maison d'Haïti. D'accord. Il y a eu dans la rue. Parce que il était important, et puis c'est vrai que quand j'ai échangé avec ce club-là, c'était important aussi d'apporter une aide alimentaire, de penser aux gens, aux personnes qui sont dans la rue. Parce que les débuts de la pandémie, ils ont été un petit peu… l'urgence a fait qu'on n'y a pas pensé tout de suite. Ils ont été laissés un peu sur le côté, oui. Tout à fait. Il y a eu la mission Bon Accueil et l'Armée du Salut. D'accord. Puis c'était quoi les clubs Rotary? Il y a Laval-Rive-Nord. Donc il y avait Laval-Rive-Nord, le club Rotary de Westmont. D'accord. Donc mon accent anglais n'est pas forcément sur la coche. Il y a le e-club premier 70-40. Et là, je reviendrai parce que je suis en train de travailler sur un autre projet avec eux, toujours dans l'alimentaire. D'accord. Il y a le club Rotary de Montréal-Ville-Marie, le club Rotarac. Donc les jeunes. De l'île de Montréal et le club Rotary de Saint-Jérôme, donc qui est dans les Laurentides. Et on a formé vraiment un bon groupe. Un groupe de 7 pour aller aider des banques alimentaires. Et parlant du Rotary Laval-Rive-Nord spécifiquement, c'est quoi vos orientations? C'est quoi les projets pour 2020 et 2021? Tout à fait. Donc, le club de Laval-Rive-Nord existe depuis 2010. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Nos projets 2020, on a eu cette levée de fonds. On avait un projet de rallye automobile qui devait être en juin de cette année. Malheureusement, on n'a pas pu le réaliser. Donc ce rallye, parce qu'en fait, c'était des gens formidables. Moi, j'ai assisté à ce rallye-là l'année dernière. Et c'était en fin de compte, la cause, c'était le cancer du sein. D'accord. Donc c'était aussi le rallye est un prétexte en fait pour lever des fonds pour la lutte contre le cancer. Tout à fait. D'accord. Ces personnes arrivées à un certain âge ont décidé de stopper, d'arrêter le rallye. Alors ça fait des années que ça existe. Quand j'ai appris ça l'année dernière, j'ai mis en fin de compte le souhait de reprendre ce rallye
en charge avec le club de Laval, parce que je trouve que c'est une très très belle cause, et puis ça permet, je dirais, à la population lavalloise de se rencontrer autour d'une activité commune. Malheureusement, on n'a pas pu le réaliser. On a les personnes ressources pour pouvoir l'orchestrer. Et autour du rallye, m'est venue la semaine dernière une idée un peu farfelue, suite à une discussion avec notre futur gouverneur Michel Wang, où je lui ai envoyé un email, j'attends sa réponse, qui est en fin de compte de faire un rallye avec tous les clubs de son district. D'accord. Donc ça représenterait 72 clubs. Ça, et c'est très très élargi. Donc là je suis en train de peaufiner en fin de compte le modèle, et toujours sur la cause commune. Ok, puis ça se passerait à Laval en ce moment-là. Alors non, voilà. Il y aurait plusieurs, c'est là où on va dire le challenge il va être important, c'est qu'au vu de la distanciation des clubs, parce qu'il y en a en Ontario, le district, et pas que sur le Québec. D'accord. Il y a des clubs en Ontario et puis il y a d'autres clubs aussi à la frontière américaine. Donc ça serait de réaliser 3 ou 4 rallyes différents, toujours pour la même cause, sur 3 ou 4 secteurs différents. D'accord. Ça permet d'amasser plus de fonds, puis d'aller toucher plus de secteurs aussi, inclus Laval, évidemment. Tout à fait. Et puis surtout de montrer aussi à la population, quelles que soient les villes, quels que soient les secteurs, qu'on existe. On est là, et puis qu'effectivement, on veut faire connaître nos actions, on veut faire connaître ce qu'on fait au niveau local. Je prends une autre action qui va être faite cette année, normalement qui devrait avoir lieu en octobre, si les rassemblements sont possibles, qui est ce qu'on appelle une soirée Rhum. Oui, ben, il y en a eu une l'année passée, dernière, voilà. Où j'ai appris certaines danses. Une soirée Caribbean Fest. Tout à fait. C'est ça. J'ai appris certaines danses. Hein. Je n'étais pas sur la cloche sur toutes les danses. D'accord. Mais c'était une très, très belle soirée. Et puis là, on veut le réitérer, l'agrandir. Et puis, les levées de fonds, comme on a fait, nous donnent des idées. Pour, surtout à travers les conférences internet, Zoom et consorts, c'est de, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés mais qui n'ont pas le temps, qui voudraient apporter une contribution. Donc, on est en train de réfléchir aussi sur des rencontres physiques, parce que on a appris avec le confinement que c'est important de se rencontrer, de se voir, et puis aussi de faire participer des gens en virtuel, et tous ensemble de créer un groupe homogène. D'accord. Sur 2020 et 2021. Voilà. Et les gens qui veulent se joindre, mettons, au Rotary, comment ils font? Alors, le Rotary Club de Laval. C'est très très simple. On a une page Facebook. D'accord. Donc juste dans le moteur de recherche et de taper Rotary Club de Laval-Rive-Nord. Où les gens tombent sur notre page Facebook. Et de là, ils peuvent nous écrire, ils peuvent voir nos jours, en fait, nos jours de réunion, de rencontres, et il y a un numéro de téléphone où on peut être joint. D'accord. Donc, moi, ce que je fais toujours, j'invite les personnes à regarder notre page, à nous contacter et venir en personne ou en virtuel, voir qui on est, et vraiment dans un esprit camaraderie. Autour, en fin de compte, de toutes les causes que j'ai citées tantôt. Voilà, autour de la devise de Rotary qui est de servir. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Cyril Laguerre. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà. Très apprécié. Puis continuez le bon travail. Parfait. Merci. On va maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Le 27 juin dernier, le Canada célébrait la Journée canadienne du multiculturalisme. C'est le 13 novembre 2002 que le gouvernement fédéral désigne par proclamation officielle le 27 juin de chaque année comme Journée canadienne du multiculturalisme. Alors que notre monde connaît des contestations majeures, concrétisées à travers des vagues de manifestations contre les injustices raciales de manière générale, notamment suite aux violences menant à la mort de plusieurs Afro-Américains, dont George Floyd, le 25 mai 2020. Cette journée vient nous rappeler l'importance et l'occasion pour tous de considérer, célébrer et valoriser la présence et la contribution des différents groupes et communautés multiculturelles de la société canadienne.
parce que le respect et la reconnaissance des droits humains à l'égard de tous les humains est primordial, je vous propose deux suggestions de lecture. Il s'agit en premier des mots pour combattre le racisme. C'est un abécédaire de 60 mots sur le racisme afin de prendre conscience de l'ampleur du sujet et pour comprendre en profondeur. Il est écrit par Jessie Magana et Alexandre Messager et il est paru chez Siros le 12 juin dernier. Le deuxième ouvrage s'intitule « Le racisme expliqué à ma fille » de l'écrivain marocain Tahar Benzelloun, paru chez Seuil en octobre 2018. Il s'agit de la version augmentée et refondue de la version originale parue en 1998. Son auteur explique pourquoi il a écrit ce livre en disant, je cite, qu'il s'adresse d'abord aux enfants, ils n'ont pas encore de préjugés et veulent comprendre. Quant aux adultes qui le liront, il les aidera à répondre aux questions plus embarrassantes qu'on le croit de leurs propres enfants. Si ça vous dit de passer une soirée à la Belle Étoile tout en vous divertissant, le nouveau festival Ce Soir en Char, le Comedy Park, est une excellente occasion de retrouver certains de vos humoristes préférés sur scène tout en restant dans votre auto. Cette initiative est présentée comme deux grands galas d'humour à la Belle Étoile, animés en duo par Dominique Paquet et Philippe Band, et mettant en vedette les humoristes chouchous des Québécois lors d'une expérience de festival extérieur unique qui fait la place à l'automobile sous toutes ses formes antiques, électriques, familiales, etc., au service du respect des consignes gouvernementales en vigueur. Parmi les comédiens, vous pourrez voir Mariana Mazza, Péa Méthode, Mehdi Boussaïdan, Jérémy Demey, Mesmer et bien d'autres. La première édition de ce festival aura lieu les 21 et 22 juillet au mythique Cinéparc Saint-Eustache dans une ambiance festive avec de la musique, des animations et des food trucks. Informations et réservations, vous allez sur le site cesoirenchar.com. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons Marie-Denise Douillon. Marie-Denise, originaire d'Haïti, une citoyenne du monde qui a grandi en Afrique du Nord. Vous avez étudié à New York et Washington, vous résidez à Montréal. Bonjour Marie-Denise. Bonjour Cathy. Voilà. Et vous êtes diplômée des Beaux-Arts du Fashion Institute of Technology de New York. Et dans les années 80, vous avez tenté un retour chez vous, dans votre pays natal, et avant d'émigrer au Canada comme réfugiée politique. Entre deux, il y a eu toute une histoire, donc un parcours qui a été marqué par cet exil et par ce que vous avez vécu en Haïti. Vous vous êtes aussi fait connaître dans plusieurs villes, dont Montréal, Vancouver, Washington, Dakar. Oui, c'est vrai. Dans mon pays d'origine, le Sénégal et Paris. Vous avez exposé dans des musées prestigieux comme le musée Bardot de Tunis, avec, dans le cadre d'une exposition collective tuniso-canadienne. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de votre tout nouveau bébé, Musikidi. Marie-Denise, mais avant tout, pour vous, créer, c'est quoi? C'est un besoin? Pourquoi vous créez? Alors, créer, je dirais, une pulsion de vie, c'est mon poumon. Je ne cherche plus à justifier trop pourquoi je crée. Je suis habitée par la création, comme quand je dors, je mange et je crée. Donc, le cerveau est toujours en ébullition. C'est une façon, je pense, d'analyser... de digérer les événements qui nous entourent, les faits qui nous entourent, par la musique, par des histoires. Je trouve que même dans la cuisine, j'adore cuisiner, il y a tout le côté ludique et créateur qui accompagne la cuisine. Alors Marie-Denise, votre création est quand même marquée par votre parcours de vie, un parcours qui n'a pas été facile, hein, surtout des moments vécus en Haïti, je pense. Oui, en fin de compte, j'ai vécu une arrestation arbitraire en Haïti, j'ai été incarcérée, puis je suis passée par la machine de la torture, etc. Et pendant cette incarcération, la peinture m'a aidée. Donc j'ai dessiné, je dessinais d'abord les histoires que me racontaient ces jeunes femmes, que je traduisais en dessin quand j'ai eu accès à du papier, bien entendu, et des feutres, ce qui n'était pas évident au tout début. Mais, et par la suite, j'ai vu qu'en sortant
de l'incarcération quand je suis arrivée au Québec. Mm-hmm. Je fais un raccourci très rapide. Oui. Mm-hmm. Donc j'ai des amis qui m'avaient prêté un atelier de la famille, de la peinture, qui m'a prêté l'atelier, donc j'avais de la peinture. Et j'ai vu que les premières images, c'était vraiment des femmes qui s'inscrivaient un peu dans la douleur, dans surmonter l'épreuve, avec des regards hagards. Puis la création se colle un petit peu à nos expériences de vie, et heureusement que les choses évoluent vers le meilleur. Ouais, ouais. Et là, la création a pris tout un autre tournant, avec cette teinte très marquée de l'Afrique. Voilà. Oui, un rapport avec l'Afrique qui est quand même depuis votre jeunesse, je pense. Oui. Oui. Vous avez grandi en Afrique du Nord. Oui, j'ai grandi surtout à Casablanca, au Maroc. Mmh. Donc, je suis arrivée à Casablanca, j'avais peut-être 5 ans. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 14-15 ans. D'accord. Donc, ça marque toute mon enfance. C'est une enfance vraiment pleine de gaieté, de plaisir, de joie et de découverte, parce qu'on a fait tout le Maroc avec avec mes parents, mon frère et ma sœur. Et je pense qu'il y a quelque chose qui demeure d'abord dans l'éducation, dans ce qui se colle sur notre rétine, dans notre mémoire aussi. Et tout ça accompagné de l'apport aussi de la richesse de la culture haïtienne. D'accord. Et tout ça se combine à merveille dans vos créations, dans vos tableaux. En tout cas, de ce que j'ai vu, il y a des bouts d'Afrique, d'Afrique du Nord, on voit. Puis les couleurs, des couleurs de terre aussi, oui. Beaucoup. Oui, alors j'ai beaucoup voyagé également. Et je pense que les couleurs de terre, j'ai fait un séjour au nord du Bénin, à Natitengo. D'accord. Et j'ai eu aussi l'occasion d'aller au Sénégal, j'ai exposé à Dakar. Mmh. J'ai fait aussi, j'étais au Ghana. Mmh. Donc je pense que toutes ces choses-là s'accumulent. J'aime bien dire que l'atelier de l'artiste est hors atelier. C'est ce qu'on récolte à l'extérieur. Et puis après ça, on le transforme, ça passe dans la machine de la créativité. Et puis... Ce qui en ressort est parfois surprenant, même pour le peintre et le créateur. Ce qui est surprenant, pour moi en tout cas, c'est de voir la transition de la peinture à musique qui dit. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que 2020, c'est spécial. On a eu la COVID, le confinement. Et votre nom m'est apparu avec la plateforme Musique qui dit, alors que vous avez tout un passé de peintre et d'artiste. Comment ça s'est fait, cette transition-là, et pourquoi Musique qui dit? Alors, je me suis mis entre la peinture et Musique qui dit. Je m'étais lancée dans l'écriture. L'écriture était mon jardin secret. Mmh. En fin de compte, dans le parcours de vie, l'écriture a aussi nourri un processus de guérison après la période d'incarcération. J'écrivais, je ne le faisais pas consciemment pour passer au travers, mais je gardais, c'est un petit peu mon jardin secret. Non, j'avais peur d'exposer ce jardin-là à la critique. J'ai dit, bon, j'envoie la peinture comme des fauves qui peuvent se faire attaquer, mais l'écriture, n'en est pas question. D'accord. Et puis, j'ai eu le courage, grâce à un ami, de publier un ouvrage, et j'ai commencé à écrire des chansons pour enfants. Et le confinement est arrivé. Et c'était, bon, il y a plusieurs étapes dans le confinement. Il y a le choc, comme pour tout le monde, l'aspect psychologique de ce virus où on est plongé un peu dans un regard de science-fiction. Puis après ça, c'est le silence et le temps idéal pour moi pour créer. Donc j'ai ressorti du tiroir le projet Musique qui dit. Et là, je me suis mis à regarder aussi les logiciels de création d'animation. J'ai parlé à des gens qui composaient de la musique, j'ai parlé à des interprètes chanteurs, et c'est comme ça qu'est née Musique qui dit. Et vous avez quand même une cible assez large, hein, si je vois. Vous avez des maternelles 5 ans, puis ça va jusqu'à la préadolescence 12 ans, jusqu'à 12 ans. Comment cela se traduit réellement? Alors c'est vraiment le parcours primaire. Donc avec la maternelle, j'y vais avec l'alphabet. La découverte des lettres de l'alphabet. Après ça, les 6 à 8 ans avec les mots et le vocabulaire. D'accord. Mais c'est toujours chanté et de façon ludique et humoristique. Après les 8 à 10 ans, je voulais associer des devinettes. Par exemple, comment on appelle un tic qui tombe amoureux? Eh bien, c'est un romantique. Et les 10-12 ans, je voulais aborder la question de l'histoire et de la géographie avec des rimes. Permettre aussi aux enfants de sortir des schèmes, on va dire, de la discrimination et des préjugés. Et les animaux étaient pour moi le vecteur d'amener
cet aspect-là, comme le Brazzaville, pour Brazzaville, le crocodile de Brazzaville, mm-hmm. l'écureuil de Longueuil, d'accord. le rhino de Porto Rico. Et ça permettait aussi de démystifier toute la stigmatisation qui vient souvent avec certains lieux. Mmh. Puis ça permet aussi, j'imagine, aux enfants de retenir plus facilement quand on apprend les lieux avec des rimes, puis qu'on l'associe à un animal, mettons son animal préféré. Et puis surtout en chantant. En chantant. Je, le chant ça. Nous occupait avant dans les sociétés traditionnelles et mmh. même en région, à l'extérieur mmh. des grandes villes. Moi, je me rappelle dans mon enfance, les gens, les lessiveuses chantaient à la rivière, mmh. les gens qui portaient des légumes chantaient. Et le chant nous a quittés. Mais on regarde avant le chant, même en Occident, hein, le mmh. chant des cerises, les gens se balançaient sur des balançoires, chantaient. Puis le chant s'est transformé en quelque chose, on va dire, peut-être un peu plus professionnel et a quitté le lieu. Le lieu du quotidien. Le côté ludique et quotidien. Et avec Musique qui dit, est-ce que vous visez juste le Québec ou c'est quelque chose qui... Alors, je démarre chez nous, comme je suis au Québec, voilà. je démarre d'abord, charité bien ordonnée commence par soi, hein. alors je mm-hmm. commence avec le Québec et j'espère pouvoir après ça évoluer un petit peu plus vers le Canada francophone et après ça m'étendre vers l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, la France, la Belgique, en fin de compte tout le monde de la francophonie. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres projets en rapport avec Musique Idi ou complètement indépendant sur lesquels vous travaillez? Alors, il y avait d'autres projets qui mmh. sont sur la glace à cause de la Covid. On devait exposer au Maroc et puis, bon, les aéroports sont fermés, les mmh. projets sont sur la glace. J'avais un projet citoyen à Vaudreuil aussi, qui est lancé par le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts de Vaudreuil. Des ponts culturels, donc on crée avec des citoyens, c'est aussi de la création en atelier. Mmh. Le musée des Beaux-Arts, je devais donner des ateliers sur les proverbes du monde et de la création à travers les proverbes, là aussi à cause des contraintes. Donc mmh. C'est on reporté. Va voir ce qui va arriver en 2021. Ah, voilà. Oui. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir, Marie-Denise. Puis on va conclure cette émission avec une animation. Une qui vous parle particulièrement? Alors, oui, j'avais créé une chanson sur le corona, justement, d'accord. à cause de la Covid. Donc, c'est un peu de la prévention, c'est un clin d'œil aussi, c'est de l'humour. Mm-hmm. Et je vous laisserai découvrir Coronus Satanus. Merci Marie-Denise. Voilà. Alors, on vous invite à aller découvrir cette belle plateforme musiquidi.com pour vos enfants, vos petits-enfants et même pour votre âme d'enfant et d'y contribuer parce que n'oubliez pas que c'est tout fait par l'artiste sur une base volontaire. Donc, une contribution, un don pour soutenir nos artistes en cette période de Covid. Nous vous remercions aussi de nous suivre toutes les semaines et n'hésitez pas à nous écrire pour vos suggestions, critiques et on vous dit à la semaine prochaine. Coronus, Satanus, quel virus, horribilus, du balai, tu es trop laid, trop vilain et trop méchant, et tu mords à pleines dents les tout petits et les grands, invisible et ravageur. Invisible et destructeur, je m'infiltre tout partout et provoque une sale toux. Coronus, Satanus, quel virus, horribilus! Gare à toi, cache-toi,